Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un petit test lampe chinoise sur Wish, Amazon ou Alibaba pour l'éclairage nocturne. Allez, à tout de suite en vidéo. Là, je suis à fond des éclairages des deux lampes. Vous voyez, on y voit quand même relativement bien. Là, ça va mieux. J'ai mieux réglé celle du casque. Alors moi, je vous conseille pour tous ceux qui font les nocturnes, par contre, toujours une lampe sur le vélo et une sur le casque. Pourquoi important celle sur le casque? Parce que comme le vélo, des fois, vous êtes en virage, vous ne voyez pas ça, le guidon, il est tourné dans un sens et vous ne pouvez pas voir devant vous. Alors que celle sur le casque, elle éclaire toujours votre vision. Donc si vous n'avez qu'une lampe, pour moi le mieux c'est sur le casque. Elle suivra votre regard au moins. Voilà pour l'éclairage. Pleine puissance. Les deux lampes. Comme vous pouvez le voir, ça ne démérite pas aux grandes marques. Ça éclaire super bien. Là pour vous montrer, là je suis en économique sur les deux lampes, ça éclaire quand même pas mal aussi. Voilà, comme vous pouvez le voir, deux lampes pour 40 balles sur des sites internet, elles ont rien envié aux grandes qui coûtent une fortune. Donc voilà, moi je préfère les acheter pas cher, et s'il faut les changer dans 2 ans parce qu'elles sont mortes, on renouvelle, il y a des améliorations qui sont faites et on a mieux. Donc voilà, bon plan pour moi. Je vous conseille les lampes achetées sur les sites VPC. Comme vous avez pu voir, ça éclaire du feu de Dieu. Bon voilà, comme vous avez pu le voir en vidéo, ces lampes chinoises ne déméritent pas face aux grandes marques. Elles éclairent du feu de Dieu, ça éclaire très très bien. Et pour 40 balles au grand maximum, vous arrivez à avoir 2 éclairages, un pour le casque et un pour le guidon. Ce que je vous conseille aussi, parce que comme je vous ai expliqué dans la vidéo, si vous en mettez qu'une au guidon, vous n'aurez pas forcément l'éclairage où vous allez regarder. Il est plus important d'avoir celle du casque parce qu'elle va suivre votre regard. Donc un très très bon plan, ces lampes chinoises, pour avoir un éclairage sans se ruiner. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous servira dans la jungle des éclairages, comme quoi on n'est pas obligé de se ruiner pour avoir quelque chose de bien. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous utilisez comme lampe, vous, pour faire des nocturnes. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!